Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Honorables Messieurs les Vice-Présidents du Parlement panafricain, honorables Mesdames et Messieurs les Présidents des Commissions et Caucus, Excellences Chrysanthos Obama Ondo, Président du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les invités et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de la Commission permanente dont nous avons l'honneur d'être le porte-parole aujourd'hui, vous souhaiter la traditionnelle bienvenue à cet atelier importantissime sur le thème de l'année qui a été dit tout à l'heure par le secrétaire général, notamment fêter les âmes en 2020 et créer les conditions d'une Afrique développée et paisible. Mesdames et Messieurs les parlementaires, c'est un honneur pour nous de souhaiter à chacune et à chacun, à chacune et à chacun la bienvenue en espérant que cet autre atelier viendra renforcer les capacités des députés, mais qu'au-delà de ce renforcement, qu'elle permettra de donner aux députés les outils d'exercer leurs fonctions. La fonction parlementaire qui est celle d'être avec les peuples, d'être auprès des peuples, et qui pour moi est une fonction loin des amphithéâtres et des salles de réunion. Messieurs les membres du bureau du Parlement panafricain, je voudrais, au nom des députés, vous remercier pour les efforts que vous faites pour ce Parlement, mais vous demander d'interagir avec les commissions différentes de l'Union africaine pour que le Parlement panafricain soit un Parlement visible et que pour que dans l'accomplissement de l'agenda 2063, les députés soient ceux qui luttent pour la paix, qui soit sur le terrain pour faire taire les âmes et qui soit auprès des peuples africains, là où il y a des indices de conflit, là où il y a des conflits ou là où les conflits se sont tus. Ce n'est vraiment pas une allocution, c'est bien le président, le vice-président Bourras qui fait l'allocution. C'est juste dire à tous et à toutes, bienvenue dans cette salle et nous espérons que nous aurons des travaux enrichissants, mais qu'à la fin, sur le terrain, les députés seront auprès des populations pour contribuer à faire tel.